sans un moyen de résister à sa domination, nous n'avons aucune chance. Anduin est peut-être la clé de notre salut. Si nous le sauvons... Le sauver, vous? Après tout ce que vous avez fait? Sylvanas a tenu entre ses mains la lame de deuil qui l'a asservie. Sa présence nous aidera peut-être à le libérer. Je n'aurai jamais confiance en elle. Alors, ayez confiance en moi. Toujours, Uther. Très bien. Nous allons préparer l'entrée dans le sépulcre, afin de sauver Anduin. Ok. Et donc on a les fameuses jambières. Est-ce que je les enfile? Est-ce que je les enfile pas? Moi je les enfile. Oui, ça me sera lié, j'ai compris. Let's go. Il semblerait que j'ai raté quelque chose. Ah, et pourquoi ma succube s'est arrêtée ici? Ok, je crois qu'on est déconnecté. J'ai un doute. Non. Non. Excusez-moi, il y a une quête que j'ai que j'ai dû ne pas prendre. J'ai cliqué peut-être un peu trop vite. Ou c'est peut-être pas encore codé. Peut-être qu'on n'a pas encore la fin. Ça m'en a tout l'air. Soit j'ai un bug. Non, c'est moi. C'est moi. J'avais pas vu. Faut pas traverser là. Faut monter. J'avais pas vu les chemins qu'il y avait à gauche. À gauche et à droite. À gauche et à droite, il y a des chemins.
Ben. Ben là, je sais pas trop. Pour moi, ça ressemble à un bug. Je vais tenter un sage trilogue. Je vais redescendre de l'autre côté, on verra bien. Il y a un truc là. Ok, bon, j'ai trouvé une grotte avec plein de trucs. Des tuiles d'anima. J'ai un jouet. On va aller voir de l'autre côté. Un client potentiel. Du coup, ça c'est lié, je m'en servirai plus. Ça c'est lié, je m'en servirai plus. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Mes vieilles épaulières, c'est bon. Mes vieux poignets, c'est bon aussi. Ça peut être vendu à l'HV. Ça, c'est bon aussi. Beaucoup de poignets hein, qui ont été vendus. Bon. D'avoir pu vous aider. Et de l'autre côté. Attendez. Oui, c'est un allié, ça. Et là, il n'y a rien. Ok. Donc là, il n'y a rien. On va aller voir de l'autre côté s'il y a quelque chose d'équivalent.
J'ai vu que ça c'était en surbrillance. Non, c'est juste un... Alors ça, je sens le coup venir, que c'est une créature à buter, et quand tu la butes, elle peut dropper une monture. C'est le genre de truc, vous savez, le genre de créature un peu rare, qui à mon avis... On tente ? Allez, on le tente. Sûr que ce truc-là peut dropper une monture. Je sais pas pourquoi. D'instinct, je dirais. Ah, j'avais pas vu. Il y a un truc là-bas. Non. Par contre, pareil, j'ai ça là, donc les granules de... sont où? J'ai des granules de... là. Granules de genèse. Liées au compte Blizzard. Ok, bon. Ok, je pensais que ce truc-là me dropperait ce qu'il faut. Par contre, j'ai ça. Ah d'accord, donc il y avait une deuxième grenouille ici, là. Et lui, il bute les oiseaux, je sais pas pourquoi. Donc d'après moi, il y a une quête que j'ai pas vue. Il y a une quête que j'ai dû rater, que j'ai dû pas voir. Ou alors, il faut que je fasse la quête... les motifs imbriqués, là. Bon, je vais retourner de l'autre côté parce que j'ai remémorisé un truc. Du coup... là-bas aussi. Écho du premier champ cristallisé. Je sais pas ce que c'est.
Hein? Il est revenu, lui. Ok. Et je peux plus me resservir de ce qu'il y avait ici. Bon. C'est une vraie petite mine d'or par contre cette île, hein. Il y a plein de petits trucs à récupérer un peu partout. Bon bah ça, il n'y a pas de secret, c'est le cimetière. Ah. Donc faut avoir les yeux un peu partout. Je devrais quand même appeler mon marcheur. Est-ce qu'il n'est pas impossible qu'arrive un moment où je suis obligé de me battre? On va regarder plus en détail les recoins de l'île. Voir s'il n'y a pas des choses qui m'auraient échappé. Après, je vous avouerai, j'ai pas compris pourquoi l'autre avait attaqué les oiseaux. Il y a un truc avec les oiseaux? Je sais pas, ça a l'air d'intéresser l'autre aussi. Je n'ai pas de cible. Je dois d'abord choisir une cible. Non, c'est pour des artisans des composants d'artisanat apparemment. Ouais. Trop tôt cher.
je sais pas. Ça se vend, c'est... Non, enchère, 8 pièces d'argent. Ça vaut rien aux enchères. Je sais pas pourquoi il chasse ça. Il en a peut-être besoin lui pour une compo à lui, hein, tout simplement. Parce qu'à l'HV, ça vaut rien. Hein. Mais les coffres y reviennent. Je vais farmer, hein. C'est ce que je vais faire, hein. Je vais passer une soirée là à farmer, quoi. Parce que je vois pas quoi faire de plus. En plus, ça me fait monter ma quête là, les motifs imbriqués à l'infini. Du coup, je crois que je vais faire ça. Par contre, j'ai quand même demandé sur le FR. J'ai demandé sur les FR rapidement. Comment ça s'appelle ici? C'est Zeref Mortis. Je vais voir si on me répond. Sinon, bah, ça attendra la prochaine session de tournage. Malheureusement.
Ah, c'est peut-être ça. Attendez. Ça, on va le fermer. C'était où? Parce que là, on a Azeres Mortis. C'était dans l'antre. On avait Corsia. Et il y avait ça, l'incursion dans le caveau qu'on n'a pas fait. Alors, j'essaie de me relog ici. Donc, je quitte le jeu, je relance et on se retrouve après. Bien, alors, je recharge le jeu. On va voir un petit peu si, au retour de chargement, c'est bon. J'ai pas l'impression d'avoir plus d'infos. Je vais essayer de revenir en arrière. Il y a un mob élite juste derrière, je sais pas pourquoi. Bon. Ici, visiblement, il n'y a plus personne. Donc, à mon avis, en effet, il faut... Je dois avoir des problèmes de script. On va refaire le tour rapidement et si c'est pas le cas, ben, on va essayer d'aller dans l'antre. Voir si on... Et donc les coffres reviennent bien ici et régulièrement. Ça par contre c'est cool. Ça me fait augmenter d'1%, donc je farme 100 coffres, c'est bon quoi. Sachant que je connais la position de 3 d'entre eux. Bon, allez, on va essayer d'aller dans l'antre. Je vais passer par... par ma pierre de foyer. Et je passerai certainement une soirée à farm ici. Les coffres, il n'y en aura pas pour si longtemps que ça, je suis déjà à 8%. C'est pas énorme, mais... En plus, je farme de l'anima... Ouais, voilà, je suis déjà à 400 sur 1000. Ça me fera farmer en plus ma quête d'anima. C'est pas plus mal. De toute façon, demain soir, je lance mes reventes. Faut absolument que je les relance. J'ai été farmer des donjons, j'ai du stock dans le coffre de guilde. Allez, vendre. Ben voilà quoi. Hop. Et on va re-sauter dans l'antre. On va aller à Corsia. Voir si la quête donc sur laquelle on était bloqué a été débloquée. Moi j'ai quand même allé jeter un coup d'œil à Oriboss, voir s'il n'y a pas une quête qui s'est débloquée aussi que j'aurais pas vu. S'il n'y aurait pas une quête que j'aurais pas vue, là il y a une quête, mais... Le chat des alliés d'Eribos. Ok. C'est quoi? C'est une quête? Quête disponible, mais c'est pas une quête... C'est pas une quête de campagne, donc...
Bon. On va en profiter de passer ici pour... pour refaire notre transmou rapidement. Je vis pour vous servir, sans entrave. C'est toujours un plaisir. Cette entrée est toujours badass. Ah. Personne ne vous a suivi, j'espère. Ne revenez que si vous le... Non, elle était surlignée, mais j'ai l'impression que c'était plus un bug qu'autre chose. Ah! Quelles sont les nouvelles? Portez-vous bien. Forger le destin. La puissance et la malveillance du geôlier ne cesse de croître. Notre résistance doit en faire de même. Combattez aux côtés de nos alliés, des dieux normands, repoussez les ténèbres qui menacent de nous engloutir. Ensemble, nous vaincrons le destin qui est de nos mains. Contrecarrez vos efforts. Contrecarrez les efforts du geôlier à Corsia et dans l'antre. En faisant des quêtes journalières. Ok. Il y a tant à prendre. Bon, ok. Vous voulez quelque chose? Gardez donc votre arme. Moi, je garde mon marteau. Je me souviens de vous. Laissez le dessin vous guider. Je ferai mon possible pour vous aider. Bon. Ok. On va aller là où je disais, hein, du coup. Alors, va falloir que je me souvienne un peu de la route. Pour faire simple. Ouais, ben, sud-ouest tout, hein. On va avoir un peu de route à faire. Oh, tu me dégoûtes. T'as la monture que je veux.
pas faire ça. Enfin, si... J'ai un doute, mais il n'y a pas... Non, c'est ça, faut que je contourne. Désolé, je fais que passer. Non, je suis pas dans la bonne direction là. Zut, par où j'accédais? Je me souviens plus. C'est con, capitaine. Je vais suivre les bouboules parce que de mémoire il faut suivre les bouboules. Mais là. Donc ça ok, mais là je suis coincé quoi. Je me souviens plus comment on a passé ça. C'est ça. Je me souviens. On avait le fameux grappin. Ok. Je suis du bon côté. Et merde. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah... Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah. Ah bah j'ai pas l'air con, tiens. Chose qui vous intéresse? À une prochaine fois! Tant pis.
J'ai essayé de passer malgré mon mal de résu. J'ai aucune chance, hein. Je suis déjà mort. C'est quoi ça? Portail de faille? Bon, c'est pas là que je vais aller, donc je m'en fiche. C'est drôle, c'est un peu similaire dans l'idée. Là, je suis déjà à 6%. Ah! Il nous reste combien de temps? Une demi-heure. Et je suis en mal de résu. Donc, c'est mort, mais la suite il est là. Y a beaucoup à faire. Oh! Bon, on va pouvoir rattraper les quelques cinématiques de retard que je vous avais expliqué, mais que malheureusement, on, voilà. Du coup, quelle tristesse de voir tout notre précieux sanctuaire saccagé de la sorte. Tal Galan murmure une brève prière. L'anima circule à nouveau dans les vestiges du caveau et nous devrions à présent être en mesure d'ouvrir un passage. Une fois à l'intérieur, je m'efforcerai de récupérer le cachet du primat. Rares sont les privilégiés à être admis en ces lieux. Aussi vous demanderai-je de respecter leur sainteté. Les prophètes eux-mêmes ignoraient qu'un mortel poserait un jour les yeux sur ces secrets. Récupérez le cachet du primat. Portez-vous bien. Laissez le défi. Mes amis, commençons le rituel. S'il faut se battre, je suis mort, hein. C'est ouvert. Allez, suivez-moi. Endommagé, le caveau reste somptueux. Vous ne trouvez pas? On n'est pas là pour faire du tourisme. Le cachet, vite! Mais je dois profiter de l'occasion pour rapporter quelques-uns de ces trésors. Ouvrez-moi ce caveau, et que ça saute! Oui, bien sûr. D'abord le cachet, ensuite les reliques. Oui, le temps presse. Voilà, il va s'ouvrir. Après, s'il te faut 7 minutes pour ça... Ceci appartient au jour. Ne décevons pas votre maître. Oh, je m'y attendais pas. Le cachet appartient au primat. Le primat est vaincu. Le proscrit va s'emparer de son cachet. Le gardien des secrets ne se laissera pas faire comme ça. Que le massacre commence. Je suis mort. À couvert, Tal Galan. Ce combat-là est à nous. Je suis mort, je suis tellement mort. À l'aide. Je fais pas de dégâts, au secours. Bah oui, hein, mal de résu. Envoyez-moi. Bon, bah écoutez, on va arrêter pour du coup cette session de tournage. Quand je pourrai, c'est-à-dire la semaine prochaine. Quand je sais pas trop. Faut que je vois avec le planning de beaucoup de monde en vrai quand est-ce que je pourrais avoir une journée libre. Mais voilà, on s'arrête là pour le moment. On aura tourné quand même 6 épisodes je crois aujourd'hui. Oui ça, donc c'est ça fait à peu près 5 épisodes, un peu plus de 5 épisodes. Ça fait
Ça fait 5h30 que je tourne. Donc, ouais, vous aurez eu 6 épisodes là. J'aurais eu le temps de tourner 6 épisodes en gros. Allez, bah, à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. On doit toujours être dans l'épisode 180, si je dis pas de bêtises. Allez, à plus tard.